Bonjour à tous, nous ne sommes pas à Cheltenham, mais nous sommes bien en direct de l'Irlande avec une Française installée en Irlande, Vanessa Rousier, qui de Sharel Parkstud va nous expliquer l'émotion qu'elle a eue quand elle a vu son élève Appreciate It s'envoler dans le Supreme Novices Hurdle. Elle est là avec nous. Bonjour Vanessa. Alors déjà, après cette grande victoire, cette envolée, comment tu te sens tout simplement? Beaucoup d'émotions sous le choc. Ouais. C'est que du bonheur, voilà. C'est rare que j'ai pas de mots, mais là j'en ai peu en fait. Mais c'est plutôt bon signe en général. Alors Appreciate It, nous c'est un cheval que peut-être la France découvre un peu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, explique-nous un peu quelle est la destinée de ce cheval qui est finalement en train de s'infirmer comme l'un des meilleurs de la team Mullin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, il a été un petit peu critiqué ces derniers jours. Il s'est essayé de trouver un cheval pour l'opposer. En fait, c'est physiquement un cheval qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on appelle un two-miler, un cheval pour courir sur 2 miles. C'est un grand, grand cheval avec une action phénoménale. Et tout le monde disait que c'était un petit peu court comme trip. J'en perds mon français, oui. Pardon. La distance pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, et en fait, il a un cruising speed, comme on dit chez nous, extraordinaire. Et enfin, je pense qu'avec la distance, il va devenir encore meilleur et puis il va finir par aller sur les obstacles. Et c'est un cheval qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir parce que pour faire ce qu'il a fait avec le physique qu'il a sur cette distance, c'est assez incroyable. Et alors, ce cheval, il est issu d'une mère française qui est stationnée chez toi. Tu es donc la co-éleveuse de ce cheval. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de la mère et comment toi, tu es devenue justement la co-éleveuse de ce Appreciate It? En fait, c'est la jument, en fait, elle a été achetée à l'âge de 2 ans. C'est une fille de Saint-Vécin, donc j'ai besoin de dire à personne à quel point il est bon père de mère. Et voilà, donc la jument a toujours été ici à la maison, chez moi. Et donc on a élevé tous ces produits, les autres aussi. Il y en a 1 ou 2 autres qui ne sont pas mauvais. Et voilà, elle est toujours ici. Elle vient d'avoir une pouliche, donc c'est hyper excitant. Il y a eu 3 ans par Soldier of Fortune. Et puis là, elle a eu une femelle cette année par Westerner. Donc voilà, et puis moi, je suis impliquée avec les éleveurs, voilà, c'est des amis, je les connais de longue date et on travaille ensemble, voilà. Donc c'est que du bonheur. Et donc, pour en revenir à toi, donc la Française installée en Irlande, explique-nous un peu, tu es installée à Sharel Parkstud, explique-nous qu'est-ce que c'est Sharel Parkstud et quel a été ton parcours finalement. Parce que je crois qu'en France, tu ne connaissais pas les courses et tu les as découvertes en Irlande. Et là, arriver à élever un gagnant de groupe 1 à Cheltenham, ça a été quoi la route pour en arriver là, Vanessa? Je vais faire bref parce que ça fait quand même quelques années que je suis installée ici. L'arrivée en Irlande, elle a été faite au travers de mes études. J'y suis restée parce que, pour l'amour des chevaux, vraiment, j'ai découvert en Irlande un pays où tout le monde était un petit peu comme moi. Il y a des chevaux partout. Les gens aiment aller aux courses, voilà, et puis de fil en aiguille, ça s'est construit. J'ai travaillé un petit peu partout à l'étranger, jamais en France, c'est vrai, mais en Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis et Irlande, bien sûr. Et puis voilà, je suis restée ici, je me suis établie ici, et voilà, on travaille tous les jours dur pour essayer d'élever des bons chevaux, donc ça fait plaisir quand ça arrive. Ah oui. Oui. Et alors justement, nous on voit ça d'un peu loin, mais c'est quoi le climat en Irlande? Comment ils se sentent les gens de ne pas pouvoir aller à Cheltenham, de voir les tribunes vides? Ça, c'est quoi pour eux, c'est comme signification? C'est l'enfer vivant pour tout le monde. Je crois que l'Irlande entière et une bonne partie de l'Angleterre, tout le monde vit pour Cheltenham en fait. C'est le achievement, enfin, c'est là que les gens veulent aller, donc c'est très très dur. Moi, j'y serais aussi si j'avais pu y aller. Donc c'est dommage de tomber dans une année comme ça, mais bon, c'est comme ça. J'espère que le cheval durera et que je pourrai y aller l'année prochaine et l'année d'après. Mais c'est très difficile, hein. Je veux dire,
Ici, les chevaux et les courses, particulièrement les courses d'obstacles, c'est une religion. Et d'empêcher les gens d'aller à Cheltenham, c'est terrible. Mais bon, on vit avec, on est tous dans le même bateau. Et bien voilà, Vanessa Rousier était à Charrel en Irlande, mais a suivi les exploits d'Appreciated, pourvu que ça ne s'arrête pas là et que d'ici l'année prochaine, le Covid soit parti. Merci.